Le géoradar. C'est un appareil qui permet d'analyser le sous-sol à la recherche des zones hétérogènes. Il permet de voir le sous-sol, de déterminer le tracé des réseaux enterrés jusqu'à une profondeur de 2 mètres. Les réseaux détectables en détection magnétique des géoradars sont tous les branchements, à savoir l'eau, le gaz, l'électricité, le télécom, les ondes usées et pluviales, les câbles télécom en cuivre ou en fibre optique. Il ne faut pas utiliser le radar en présence de pluie car les flaques d'eau perturbent les ondes radar. À l'issue de l'acquisition, les données brutes sont transférées sur l'ordinateur équipé des logiciels d'interprétation. L'opérateur choisit par la suite les filtres appropriés à la lecture optimale des images récupérées. Le logiciel d'interprétation permet de restituer les résultats des obstacles détectés sous l'une des formes Excel ou AutoCAD, permettant la superposition des traces des réseaux détectés sur un fond de plan géoréférencé préexistant. Le processus utilisé permet de traiter intégralement environ 800 mètres d'ouvrage linéaire par jour et par équipe en milieu urbain. Il est en fait un allié précieux pour les entreprises de génie civil soucieuses de déployer rapidement leur réseau en sécurisant au maximum les opérations de construction,